Bonjour internautes, aujourd'hui je suis à Toraja en Sulawesi, c'est une région d'Indonésie. Cette région elle est connue pour deux choses, leur maison un peu atypique et les cérémonies funéraires. Et aujourd'hui c'est une journée assez particulière puisque je vais aller assister à une de ces cérémonies. Donc suis-moi, mais aujourd'hui on est à la cool, tu vois, c'est assez particulier. Allez, on y va. Come on, you think you'll drive me crazy. Come on. C'est assez impressionnant de voir les bœufs, mais en fait, les parts vont être distribuées à tous les invités et à tous les gens du village. Bon, j'ai pas assisté au sacrifice, je vois pas trop l'intérêt, mais c'est un moment assez fort. Bon, par contre, le truc que je trouve dommage, c'est les touristes qui passent à 2 cm des lieux un petit peu sacrés et bon, c'est pas... Et hop là, ils croient qu'ils sont à Disney, c'est ça qui est drôle, c'est pas Disney là quand même. Déjà, on a la chance d'être accepté, je pense. Ça manque un petit peu de respect pour certaines personnes, je trouve quand même. Alors, il y a un truc qui n'était pas prévu, notre guide nous a invité à manger avec le reste de la famille. Donc c'est quand même super gentil. Et dans ce cas, tu te fais tout petit et tu manges, en plus c'est délicieux. Et en plus, c'est du vin de palme. En gros, ça ressemble à un mélange de vinaigre et de bière et à la noix de coco bizarre, mais c'est bon. En Sulawesi, ils n'ont pas de chien. Leur animal de compagnie, c'est des buffles d'eau. Ils sont tout mignons. Par contre, s'ils s'énervent, t'es un peu dans la merde. Oh, c'est bon maintenant. C'est bon. Tu sens même pas ma main en plus. Oh, ouais, tu fais un petit bisou. Après la cérémonie, bah, ils viennent mettre la tombe directement ici à flanc de falaise, donc chaque village a sa falaise sacrée. Celles que tu vois là, genre elles ont 200-300 ans, elles sont en bois, elles sont toutes pourries, mais ils laissent les restes. En tout cas, c'est vraiment intéressant culturellement de venir voir un rite funéraire à Toraja si t'en as l'occasion et qu'il y en a à ce moment-là. Mais s'il te plaît, fais pas ton touriste en mode Disneyland à prendre des photos à côté des gens qui vivent un moment assez sacré. Voilà, j'ai pris une belle claque, c'est à faire, mais encore une fois, c'est d'avoir un comportement cool. Allez, ciao internaute, et puis abonne-toi si tu veux la suite de l'aventure. Internaute, là on est rentré à l'intérieur de la grotte et pour être sympa, pour que les esprits soient cool avec nous et par respect, hop, on fait une petite offrande. Puis comme tu vois, il y a déjà pas mal d'offrandes. La momie a reçu plein d'offrandes et donc on continue, on fait pas les malins ici, je t'avoue, on se croit un peu comme Indiana Jones.